venez. Amen. Donc, vous allez vous tenir, nous allons vous tenir. Alléluia. Amen. C'est aussi un homme de Dieu. On l'appelle à l'évangéliste. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'évangéliste Alain Christophe Coupeau de la mission MCG. Il est à Gabagué, c'est juste après. Qui connaît? Après Bagouloua. Après Anala Abassewa. Voilà, Anala Abassewa. Alléluia. Amen. Voilà, il existe là-bas. Amen. Le second que je vais présenter, j'ai peur que je ne vais pas voir, quelqu'un assis. Je veux que tout le monde se lève. Pas parce que c'est pour rendre honneur au Seigneur Jésus que la paix venir. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je vais dire son nom, on va acclamer le Seigneur. On va acclamer Jésus-Christ qui nous a fait la grâce de faire venir quelqu'un de ce jusqu'ici. Alléluia. Amen. Après, tout le monde veut le prendre la soupe de mes yeux. On va chez toi demain. Amen. Ça m'a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé. Amen. Je demandais que quelqu'un vienne partout parce qu'il faut que je voie quelqu'un. Il faut que je rencontre quelqu'un avant 2019. C'est pour ça que je suis tellement content. Si je voulais continuer à mettre à pleurer ici, pas des pleurs de funérailles, mais des pleurs de joie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas dévancer l'homme de Dieu, sinon tout le monde va commencer à pleurer ici. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter maintenant. C'est un apôtre. Alléluia. Amen. Le fondateur d'église. L'église qu'il a fondée, c'est la mission évangélique Siloé, c'est en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Il a fait un long voyage. Rien que pour nous aider, aider la mission. C'est pas moi seulement, c'est nous tous qui devons. Que Dieu l'a mandaté pour ça. Amen. Amen. Nous recevons l'apôtre Simon Ben Capita. Vous allez les faire tourner, on va prier tous. Les faire tourner.
Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob, merci. Merci puisque tu fais toutes choses bonnes à son temps. Merci puisque je t'ai toujours appelé le soleil du Gabaon, car lorsque tu t'élèves dans la vie d'un peuple, d'une famille ou d'une personne, tu ne t'es couché jamais sans laisser la victoire. Amen. Tu nous as rassemblés ce matin, chose qui n'est pas montée ni dans le cœur du prophète, ni dans mon cœur, mais que tu avais déjà prédestiné depuis l'éternité. Amen. Il est écrit qu'il dira que les choses arrivent sans que tu en sois l'auteur. L'auteur de temps et des circonstances, je t'ai pris d'être au centre de cette réunion et de parler au cœur de ton peuple. Amen. Ma diva, je vais leur bénir pour inaugurer une nouvelle ère. Amen. Laisse que toi, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, tu puisses te manifester comme jamais. Tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été supplié de ne plus compter l'iniquité de leurs fautes, mais de regarder plutôt la souffrance que Christ a connue sur le mont des crânes pour le rachat de nos vies. Et d'agir au-delà de nos besoins. Toi qui sors de le cœur et que pour moi, je te supplie d'abonder, surabonder la puissance et la force sur nous. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ce peuple et parler des choses dont toi-même Dieu pouvait descendre et parler? Je suis un simple instrument inutile que tu t'es choisi.